Et bonsoir à tous, on se retrouve sur du Path of Titan en compagnie de Melio, Gauthier et Daenerys. Et on va aller chasser du Spino. Non, je plaisante. Il y a apparemment. Ah putain, attends, on va pas là où je suis. En fait, on va descendre. Et on va aller voir Giga Castle. Et on va l'attaquer. Allez, c'est parti. On voit. Gauthier, t'es en quoi? T'es toujours l'Australo là? Alors attends, il faut ajouter Gauthier. Attends, ah mais oui, non, mais Gauthier, putain, si je cherche à Gauthier, c'est pas bon. Soldier. Il est là, le piaf. Ah, t'entends le giga? Non, il est pas loin, non. Je regardais si je le voyais en bas. Ouais, il est un peu plus bas. Ah bah le petit, oh bah le petit, il faut le tuer. Aïe. Ah mais on va pas le lâcher le petit. Ouais mais moi je prends un raccourci, je suis plus rapide. Parce que le petit... Il est mort le petit, je l'ai tué. Eh oui. Oui, il est beau. Son skin est beau, Giga, j'avoue. I'm baby. J'ai pas compris. J'ai été tué au spawn. Écoute, moi je l'ai pas vu spawn hein, le giga. Hein. Ouais. Bon allez. La carcasse, elle est finie. Et Gauthier, t'étais où? Attends, ce qu'il y a Gauthier qui doit être en train de nous rejoindre.
C'est du revenge kill, hein, s'il vient taper, hein. Bah ouais, mais non. Bah ouais, mais non, RB, je suis désolé. Je suis désolé, c'est du revenge kill en fait. Et il avait qu'à mieux protéger son gamin en fait, hein. Putain, on tombe sur des gros boulets dès le début, quoi. Ouais, je le vois, mais moi par contre je vais le noter. Je vais lui dire que le giga c'est RB. Parce que... C'est du revenge kill, on a fait une chasse, t'as pas retapé ceux qui t'ont chassé. Ni plus ni moins. Et il est complètement logique qu'on s'attaque au petit qu'au gros, hein, vu notre dino. S'il est pas content, il va là-haut et il essaie de se tenter les deux spinos en haut. Attends, je regarde où est-ce qu'on est. On va aller vers le lac, hein. Ah, ça, c'est les gens qui attrapent le seum derrière leur ordi, quoi. Ouais, y a Gauthier. Ouais, bah c'est le RBiste. Celui qui a pris un gros seum que son petit, j'ai réussi à le tuer. Et qui veut se venger de nous. Ouais, sauf que son petit, nous, on va pas l'attaquer, sinon c'est du revenge kill, tu vois. On va le laisser lui dans ses conneries. Cours, 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 cours! Il attaque tout court, Gauthier. Il attaque pas, hein, sinon on est herbé, hein. Son petit, il est encore plus grand vu que je l'ai tué. Ah ouais. Ouais, on est tous les trois adultes. T'as plus de stam? Bah viens, 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 récupère. Toute façon, lui, il se barre avec son petit. On a qui? On a Daenerys qui fait trempette. Ah oui, il est au-dessus de nous. Ah, le Quetzal? Mais attends. J'ai entendu un spino là faire un cri là.
Ah oui, c'est Daenerys, je reconnais sa voix. Ah oui. Bon, on n'est pas censé être près d'elle comme ça, hein. On n'est pas la même espèce, hein. On n'est pas sans. Ouais, mais ça, on n'en sait rien. Tu sais, les modos, ils peuvent se mettre en mode oiseau. Et t'as des tout petits piafs ridicules qui te surveillent et que c'est en mode caméra. Ah, mais il y a plein de choses, hein. Il y a même les papillons, hein. J'ai vu, hein. Ouais, tu peux être en plein plein de bestioles différentes pour faire la caméra. Moi, je l'ai vu aller en hauteur, hein. Qu'on bouffe, hein. Peut-être partir de la zone. Ouais, mais nous. Oh, le bâtard, putain, il a pris la chasse avant nous. Il est là, il est juste devant. Et il a la carcasse devant lui, hein. Ouais, le petit, il est derrière. Ah, là, on peut rien faire, hein. Ils ont une carcasse. De toute façon, on peut pas l'attaquer, hein. Non, 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 le giga. Même s'il a plus de carcasse, c'est du RB sinon. T'as vu, il danse avec toi? Oh, il y a un Deino. Il y a un gros Deino, regarde. Il attaque le giga! Mais attends, attends, s'il y avait la carcasse, il y a RB, hein. Ah, il a le droit alors. Bon, les gars, si le gros giga meurt, on tue le petit, hein. Ouais, quoique le petit, on l'a tué tout à l'heure. Ouais, je surveille d'abord la chasse avec le Deino et le giga. Voir ce que ça donne.
Ouais, bah il fuit. Il est en train de fuir. Non, non. Ah non, non, il fuit pas du tout, non. Ouais, bah on tuera pas le petit. Il y a un autre Spino. Ça fait gaffe, c'est peut-être les doubles Spino d'en haut qui sont descendus sans qu'on le sache, hein. Celui-là, oui. Alors c'est peut-être un autre Spino, mais ça veut dire qu'il y a 4 Spino dans le coin. Tu me fais rire, t'as ton piaf sur le dos. De toute façon, il est. Il peut, hein, il peut piocher dans les carcasses des autres. Hein. Attends, Gauthier, t'es où? Il bouge plus, Gauthier. Ouais, c'est juste que je voulais pas boire ici en cas où qu'il y avait un croco ou quoi que ce soit. Il y a beaucoup trop d'amphibiens dans la flotte. Si je me fais tuer, hein, Daenerys. C'est notre petit animal de compagnie en fait, le piaf là. Oh, le soleil revient. Bon, au moins on verra s'il y a des dinos dans le coin. Hein. Ouais, mais ça. Ça, on peut pas, ça. Je pense qu'il faut qu'on bouffe tous là. Ah oui, avec Mémé. Ouais. Ouais, je me souviens, ouais. Alors. Bah, il sait pas atterrir ton piaf, hein. Bon, y a rien à manger là. Non, je pense pas, non. Faut aller voir.
On va remonter. On va remonter au petit lac en haut et puis on va voir. On se fait escorter par un piaf. Il est sur moi. Il est accroché à moi, le piaf. Ouais, je sais, je sais. Allez, let's go. Ouais, mais ça c'est quoi? Ça c'est Daenerys. Ah oui, ils sont encore là les deux, hein. Ouais, bon, il va y avoir bagarre, hein. Parce que là, les quatre spinos au même endroit. Bagarre, viens, viens en Poucave, on leur dit qu'il y a deux spinos là. Oh, il y en a kilo. Il y en a kilo à gauche, on le tue. Si, si, lui il prend des dégâts, nous non. Plus rapide, j'ai ça, je sais pas ça. C'est moi ça. Faut le faire saigner. Vu que lui il court beaucoup, il faut le faire pisser le sang. Ah oh, putain, j'ai eu un rollback. Arrêtez. Le call. Collez-lui au cul, il a su, il sait que je suis pas bien. Putain, j'ai cru que vous l'avez pris. Il m'empêche de me soigner, ce bâtard. Oh, bien joué. Ouais. Allez, à table. Oh, il est adulte, lui, hein. Le piaf à côté, il est adulte, hein. Ouais, un capro, je l'ai vu. Vas-y, mange Gunner, hein. Gunner Gauthier.
Ah, merde, je sais plus. Ah non, l'Australovenator. Ouais. Hola Zioxy, comment vas-tu? Bien et toi? Eh ben écoute, on joue le Cryolophosaure là. Allez, vas-y. Moi, j'ai mis une heure avant de rejoindre. Ah, ça a été l'horreur. Les gars, je suis pas régène à mort, hein. Et Gauthier non plus, hein. Et ça, c'est pas le giga à qui on a eu affaire, lui, c'en est un autre. Alors, à moins qu'il ait changé de skin, hein. Oh putain, oh, il y a un Yang, pousse-toi, pousse-toi. Il donne le trophée, mais on est adulte. C'est un trophée de quoi ça? Mais il peut pas utiliser deux fois de suite. Non, il y a sûrement des trucs, hein. Ah, attends. Non, il y a le giga, il revient, il y a le Yang derrière. Ah, c'est les deux Yang de tout à l'heure. Ah oui, c'est un Amarga, ouais. Oh bah putain. Attention au giga là. Alors, prends le cryolophosaure. Ah putain, on est vallée verte. Ouais. Vas-y, TP-toi à nous. Ton pseudo en jeu, c'est Zioxy. Ah, attends, je vais te retrouver. Non, regarde. Peut-être qu'il nous a perdu de vue ou peut-être qu'il voulait vraiment nous tenter, je sais pas. Je vais gueuler derrière un arbre, attends. Alors, je gueule derrière un arbre. Il est où? Il est là. Mais ça se trouve, c'est le giga de. Ça se trouve, c'est le giga de tout à l'heure qui a changé de couleur. Ah, la Marga, c'est chiant, c'est trop chiant ça à avoir. Non, j'aurais attaqué. Ah, le grand Deino, il est en train de se faire attaquer par les Spinos sous l'eau. Bah, ils l'ont tué.
Ah bah Grande Plaine, oui, bah oui. Non, c'est un capro. Et la Marga, ça se trouve, il est pas adulte, hein. Oh, il s'est TP. Ah, sinon, on va lag Big Quill, hein. Ah, on l'attaque, putain. Oui, de toute façon, la TP te permet de... Oui, bah tu peux rien hein. Si t'attaques pendant une TP, c'est pas comme si tu fais une TP pendant que tu te fais attaquer, alors que tu te commences à te faire attaquer. Non, Zeoxy il est pas adulte. Ah, attends, waouh, oui, c'était. C'est. Non, mais il était un bon gros sub. Viens, on lag Big Quill. Daenerys, c'est le bleu. Oh putain, j'avais pas vu le giga, moi. Il y a Gauthier et Gauthier, on dirait une statue. Non, ils sont toujours là-bas. Allez, viens, Gauthier. Y a pas un capro? Ah oui, tout au bout là-bas. Oui. Ouais, parce qu'à chaque fois elle veut ça. Non, mais on va lag Big Quill. Non, le giga il fait une pause, regarde. On va lui demander la route. Oh, il s'est heureux. Il s'est retourné. Wouah, Gauthier il a pas peur, il passe devant, il s'est écarté pour te laisser passer. Hein. Il s'est écarté pour te laisser passer, il t'aurait mordu, on était en chasse. Hein. Oh, on est trop gros pour être chopé. Par un giga ou par un Deino, oui, mais par un giga non. Regarde le Rex, il peut pas choper un Rex à dos, il peut pas le porter. Oh, Conca là-bas, putain, dommage que ça va dans l'eau ça. J'ai un Conca juste là les amis. Et il y a un deuxième Conca au bord de l'eau. Il y a un troisième Conca. Celui que t'as à côté de toi, il est plus grand que les deux autres, hein. Ah non, c'est Zeoxy qui est parti retrouver l'autre. Ah, mais il va se relever, il va aller dans l'eau.
Allez, fini, 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 fini. Fini, fini. Ouais, mais le truc, c'est qu'on va se faire ban tous, en fait. Des gens qui se plaignent d'un giga qui fait du RB. Alors est-ce que c'est celui qui est avec son bébé? Possible, hein? Je ne sais pas. Bon, allez, hop, on bouge, on n'est plus à l'abri. Oui, mais s'il fait ça, on se fait tous ban. Donc moi, Gauthier, c'est pas possible. Ouais, mais on n'a pas le droit. En fait, dépiauter les carcasses, on n'a pas le droit. Nourrir les adversaires, on n'a pas le droit. On n'est pas censé, en fait, avoir de contact avec les dinos qui sont pas dans notre groupe. Et encore moins avec ceux des autres espèces. Non, mais ils plaisantent zéro ici, hein. Sur ce serveur, j'ai déjà deux personnes de ma chaîne qui ont été ban def sur le serveur. Bah Démon, hein, le dernier qui a été ban dev parce qu'il a entre autres rejoint White et ils n'étaient pas dans la même zone et il l'a aidé. Il l'a aidé en combat. Il est venu l'aider alors qu'il n'était pas dans la même zone. Il était pas loin, hein, en vrai, hein. Mais le fait qu'il était pas dans la même zone, il n'avait pas le droit d'aider son pote, il avait qu'à y rester à côté de lui. Donc il s'est fait ban. Ah oui! Alors, on croise quand même des gros débiles, hein. Mais oui, c'est un serveur qui fait le ménage très très vite, hein. Et on le sait aussi, mais c'est que du coup, grâce à eux, on le sait. Mais quand tu fais partie du groupe, s'il y en a un qui fait de la merde, tous les autres prennent et tous les autres se font ban. Parce que White qui justement se faisait attaquer. Quand Démon est venu l'aider, alors qu'il savait pas qu'il pouvait pas, bah White a pris un ban. Alors que White il a rien fait, tu vois, il se défendait. Mais il a pris le ban. Parce qu'il considère que si on a un dans l'équipe qui fait n'importe quoi, c'est que les autres sont potentiellement. Voilà. Donc du coup, il banne tout le monde. Alors. Il a pris plus cher, Démon a pris plus cher que White en temps de ban, mais White a pris quand même. Alors White non, mais Démon c'est définitif. Démon et Nico de Gond ne peuvent plus du tout revenir jouer ici. Et c'est des gens avec qui je jouais tout le temps. Et ils ne peuvent plus revenir. Ils sont ban def. Et ils les ont virés du Discord, hein, tout. Hein. Ça y est? Bah pourquoi Vallée Verte? On peut aller vers Grande Plaine. Et en plus, l'historique des bans ne disparaît pas. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu t'es fait ban il y a un moment et que après t'es réglo pendant longtemps que ton compteur se remet à zéro. Moi, j'ai déjà eu un ban de 24 heures ici. Donc si je me refais ban, c'est soit définitivement, soit 48 heures. Et parce que des fois, ils sautent les étapes, hein. Sûr. Mais dans quelle catégorie? Alors moi j'ai mis, bah forcément il y a les deux attaques. Le sense j'ai mis sans frais.
À la tête? Ah, il y a les deux? Les deux morsures? Il en a que deux. Il a la morsure basique et il a la morsure sanglante. Alors, Sense, Sandfray, et j'ai mis le tout premier Sanguine Mist. Pourquoi il y a un Yuti? Ah, jouer à Yuti? Ouais. Je t'avoue, je préfère le Cryo. Je suis à choisir. Bah, moi, ça fait un petit moment que j'ai pas joué Rex. Hein. Bah oui, je kiffe. Non, coûte que non, sur lui non. Ouais, mais la régène. Enfin, la régène, c'est un. C'est indisponible. Indispensable, je veux dire. Il faut la mettre. T'avais quoi comme cri? Ah, t'as le flash freeze! Ouais. Oui, bah oui, tu les frises, tu les empêches de partir. Bah, un dino comme la Marga, tu lui mets un flash freeze, ça lui fait. Bah, après, on peut être combien en tout? C'est 6? Ouais, 6 en cryo, il peut y avoir un qui met flash freeze. Hein. C'est d'envoi. Après la queue, tu mets aurore boréale. Les pattes, il faut mettre le tout à droite, Jelly Chaser. La peau tout à gauche, le Viral Frost. Patte avant, là tout à gauche, la Shrieding Claw, la toute bleue. Attends. De quoi, dans où? La peau tout à gauche, Viral Frost. Je crois que celle-ci, elle réduit. Ouais, il perd une régénération, je crois, un truc dans le genre, en fait. Il y a un effet où t'es comme empoisonné pour eux. Je crois qu'il régénère la vie beaucoup moins. Non, même pas, c'est même pas ça. Je sais plus ce qui régénère moins bien. Ouais. Ok. Bonne nuit. Bon. Grande plaine. Ah bah attends. Ah non. Ah oui, c'est complètement déconnecté. Ah non, il fait peut-être la déconnexion. Ouais, des 30 secondes. Putain, on a tout le temps faim, tout le temps soif.
Ah bah le Kama. Qui reste là où il est. Ouais bah écoute, c'est le gardien de Vallée Verte. Australovenator. Pense à l'Australie. Ah, il demande une TP. YG, c'est où YG déjà, je sais plus. Ok. Attends, je me suis pas mis au bon endroit en fait pour monter. Chier, c'est peut-être par là, attends. Ouais, pour boire, je crois que c'est par là. Non mais c'est là en fait. Voilà. Tout le monde a bu. Après, on peut longer Grande Plaine pour y aller. Si on longe côté vert par là, là. Des fois, il y a des dinos qui viennent par ici. Peut-être qu'on peut croiser un Herbie. Ah bah tiens, on parlait de démons. Putain, je reconnais ce jeu qui dit démons. Donc tu reconnais ce serveur aussi, démons? Oh, ça fait quelques mois déjà. Je vois pas du tout de quoi tu veux dire. Si démons, ça, regarde, Oranéa 1. Je vois pas, je ferme les yeux, qui dit. Attends, parce que moi je suis en train de me gourer, ça se trouve, de chemin. Non, regarde, on peut peut-être sauter à un moment. Tiens. Là, je peux sauter, là. Ça va, il gère bien les chocs. Tu joues à Arc en ce moment, t'as changé les dinos, alors. T'es passé des dinos de Patoff à Arc. Mais non! Des fois, c'est en passant par les endroits improbables que tu vas rencontrer des dinos. Riven, je vais le retrouver. C'est qui? C'est le l'admin qui t'a ban? Ça me parle pas du tout.
Tu te fais attaquer, on peut pas t'aider, hein. Cherche pas, t'inquiète, je vais juste se défoncer, qui me dit. Je peux même pas dire, je connais même pas le nom des admins ici, vu que j'ai jamais eu affaire à eux. De toute façon, je parle pas anglais, donc ça va être compliqué. Et Daenerys, dans tout ça, elle est quoi, Daenerys? Toujours Spino? Ah, tu t'es fait une TP? Vous pouvez pas parler anglais de toute façon sur ce serveur. 3 ans mon expérience. Ah bah oui. Non mais je te dis, il y a une malédiction en fait. Dès que j'ai des viewers qui parlent anglais, qui viennent jouer, ils se font ban. Tu comprends l'anglais, tu pars, tu t'es fait ban. Nico de Gon, il faisait pareil, il s'est fait ban. Bon, Nico de Gon, il l'a cherché. Hein. Nico de Gon, il a fait de la merde et je lui ai dit arrête de te venger comme ça sur les RB et de partir en vrille. J'ai dit à un moment ils vont te choper, ça va être fini. Surtout qu'il s'est fait choper une fois pour ça. Et ils lui ont dit, dernier avertissement, prochaine fois c'est fini. Il leur a dit ok, j'ai compris, bon, il a recommencé 2-3 jours après. Ah bah crois-moi qu'il ne l'avait pas oublié. Hein. Mais il jouait tout le temps avec moi pareil. La dernière fois. Pour cause improbable, ban, perm, pas besoin de warm. Ouais, bah la première fois, je l'ai dit, c'était l'histoire où t'es venu aider White alors que t'étais en groupe avec lui, mais t'étais pas dans la même zone. C'est comme si que là, Melio se fait attaquer. Et on va l'aider. Mais Melio, je sais même pas où il est, je le vois plus. Ah, ça, c'est Arya. Daenerys. Non, parce que j'ai revu Arya tout à l'heure sur le serveur à la Pangée, j'étais. C'était la zone sur mon clip. Et comme j'avais un cadavre, je pouvais pas aller l'aider. Ah oui, c'est pour ça. Ah bah oui. Alors non, du tout. J'y étais parce que j'ai une amie qui a voulu que je vienne jouer avec elle, et qui elle a joué là-dessus. Sauf que bah 13 sur Gondwa, j'ai envie de te dire, c'est de la merde. Oui, mais il n'y aura jamais personne. Non, 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 il n'y a personne. On s'est baladé en trike et tout, il n'y avait personne. Comment ça, une? Ah oui, c'est une amie depuis un moment déjà. En fait, elle veut qu'on fasse un coup elle, un coup moi, dans les invites. Que moi, un coup, je viens là où elle joue, et un coup, elle vient là où moi, je joue. Donc elle joue là-dessus. Et après, elle viendra sur Oranair. Mais je vous avoue, la Pangée, les gars. Mais moi, j'y crois pas, en fait. Pour moi, les serveurs FR, c'est mort sur Patof. Ils ont tous coulé. Encore il y a quelques temps, j'avais encore les pubs de Titania qui balançaient sur ma chaîne. J'étais streamer partenaire sur Titania. J'y jouais tout le temps. Et ils ont fermé. Ouais, c'est ça. Mais le problème, c'est que ça n'existe pas, tu vois. Oui, c'est ça. Et puis le jeu n'est pas récent, tu vois. C'est pas comme si qu'il vient de sortir. Il était déjà sur PC, ce que je disais tout à l'heure. Avant qu'il arrive sur Play, ça faisait au moins 2 ans qu'il était sur ordi, le jeu. Ouais, mais alors, Horst, t'as vu le streamer, le youtubeur que c'est. Lui, il a ramené du monde, mais lui, c'est normal. Lui, il ne joue qu'à ça dans ses streams, à ce type de jeu. Il me dit démon, il me dit les serveurs de l'extinction,
On refait un serveur, il y a 80 Français constants, ils pensent. Ça peut arriver rarement, mais constant, j'y crois pas. Regarde, tout à l'heure, cet après, moi, j'étais vers les coups de 16h sur le serveur, on n'était que 13. Enfin, pff. Et de l'autre côté, j'avais essayé de rentrer sur Ranea, c'était impossible, ils étaient blindés. Enfin, moi, je veux l'expérience du jeu, tu vois. Je veux pas juste faire du Path of Balad, tu vois. Je trouve ça pourri. Et pour ça, c'est pas... pour moi, le serveur FR... Salut, Pikachu! Pour moi, c'est mort. Ouais, je suis sur Oranéa, ouais, Pikachu. Ouais, il y en a un qui fait le lapin. Bon, c'est Daenerys. Puis c'est... Voilà. Je suis resté une semaine sur le serveur dont je parle. Mais il y avait un event... Peut-être pour ça aussi. Ah, peut-être. Quoi qu'il arrive, Titania a fermé, Pandora a fermé, Extinction a fermé. Voilà. Alors, Pandora et Extinction ont réouvert des serveurs derrière, mais... Ah, puis il y a la manip pour Pandora pour pouvoir avoir de l'argent. Impossible de marcher sur le Discord. Ça m'a gavé, donc de toute façon, j'ai dit de toute façon, je comptais pas y rester. Je compte y venir de temps en temps quand ma pote elle m'invite. Ok. Donc du coup, je m'en fous, mais du coup, bah mon dino, je n'ai pas d'argent, donc je ne peux pas acheter de capacité. Donc j'ai que l'attaque de base. Ils ont fermé pour un autre. Enfin bref, je pense que les serveurs FR sur Patov, c'est pas la bonne idée. Le jeu est là depuis trop longtemps, il a sa grosse partie de joueurs est là depuis longtemps. Et ils ont déjà leur serveur. Oui, il y en a une ici. Moi je vous dis, j'attends The Hunted. Quand The Hunted sortira, ça sera peut-être le moment de sortir un serveur FR dessus. Mais là, ouais, moyen. Bon, Daenerys, c'est Verstappen. Elle répond pas. Ah, j'ai vu ce matin. Putain, y en a une qui doit être heureuse encore que son sale gosse a gagné. Ah bah moi non plus, je n'aime pas, non. Mais il faut pas dire ça à Daenerys. Voilà, voilà. Ah non, non, mais c'est... Ah oui, il est très bon pilote, sinon il gagnerait pas. Oui. Ouais, mais le truc, c'est que... Alors, après, il a pris de l'âge hein, depuis le début, tu vois. Mais le problème, c'est que... Il a trop laissé une image de petit jeune pourri, tu vois. Et ça, problématique, ça lui est resté collé. Moi, c'est pour ça que j'apprécie pas. Voir le nom du serveur. C'est... Ah oui, Zélandia RP, oui, c'est ça. Après oui, hein, ça n'empêche pas que le pilote il est très bon. Après, il est dans une écurie spéciale. Hein. Il est dans une écurie spéciale, hein. Red Bull, moi quand j'ai regardé le. Quand je regardais la série Formule 1 là sur Netflix, Red Bull c'est un peu spécial comme écurie. Hein. Tu sens que les mecs ils ont pas une politique de rouler en équipe. Tu vois, c'est un peu du chacun pour soi, quoi. Leur méthode.
Ouais, mais du coup, t'as forcément, t'as des égos de ouf qui montent et qui font que voilà. Oui, parce que Verstappen, quand il est arrivé, il était avec, comment il s'appelle? C'est l'Australien, celui qui était avec lui, qui a quitté Red Bull pour aller chez Renault, parce qu'il pouvait, il s'entendait plus avec Verstappen. Il y avait des soucis avec lui. Comment il s'appelle ce pilote? Il est parti chez Renault. Hein? J'ai pas entendu Daenerys. C'était qui? Daniel Ricciardo, c'est ça. Et le mec, il est parti chez Renault. Et à partir de là, ça a été l'hécatombe. C'est. Ah, mon gars, tu quitterais de boule pour aller chez Renault, mais. Moi, le Red Bull que je kiffais, c'était l'époque de, je crois que c'est Sébastien Vettel. Ah, c'est là où Red Bull a commencé à tout rafler en prix. Ouais. Ah oui, c'est là où Red Bull, tu l'entendais vraiment au top du top chez les Formule 1. Ouais. Et c'est vrai que ça, c'était l'époque où vraiment, ouais. Après voilà, hein, je kiffe l'écurie Red Bull, je trouve qu'ils ont des belles monoplaces. Ils ont des bonnes bagnoles. Moi dans le jeu de Formule 1, souvent je vais chez Red Bull. Mais ouais, le pilote Verstappen, l'image qu'il a montré pendant des années, fait que je l'apprécie pas. On va chasser. Bah on va chasser les. Ouais, mais les Australiens, ils sont partout, regarde. C'est quoi à gauche? Ah oui. Ouais, les Pachis. Alors attention, si c'est les modés, ils vont nous péter les os. C'est pas un Dilophosaure qui est tout seul là-bas? Oh, c'est des Dilos là-bas. Les Dilos, c'est mort. Je cherche à bouffer. Oh, y a un truc qui court là-bas. Ouais, justement, j'ai trouvé ma cible, on va tuer eux. Non, je rigole. Quoique celui de derrière, il a l'air plus petit, mais quand même. Merde, il n'y a rien de bien là. Et tu vois, il va aller dans l'eau. Oh bah les Austras là à côté. On y va. Oui, je sais, on va faire attention. Faites attention de ne pas vous mordre. Ils sont milieu.
Ah, il y en a un qui est mort? Je vois rien, il fait nuit tout complet, je vois pas dans l'avion. Milio, va-t'en! Va-t'en, va-t'en! Calez vos heals! Calez vos heals pour Milio! Milio, si tu vas tout droit, je peux pas! Ah, il est mort, Milio. Pourquoi? Putain. Je me fais bloquer par les autres. Il est où, bordel de merde? Il est tout petit. Voilà. Voilà, après, tu t'es mis quand même beaucoup à courir tout droit et on s'est mis à, pendant un petit moment, à courir en file indienne. Le problème, c'est qu'on court tous à la même vitesse. Donc, à zéro moment, on peut le rattraper. Ce qu'il faut faire, c'est que moi, dans ce genre de cas de figure, quand je me fais courir après, c'est que je fais demi-tour et je vous le ramène sur vous pour le croquer. Oui, 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 ouais, il y aurait eu moyen qu'on le tue, mais quand t'as tourné, ouais. Ben là, tu savais qu'ils étaient derrière toi, tu voyais ta vie qui perdait, tu voyais qui te coupait le cul, et même toi, tu nous disais, il est derrière moi. Sauf que, bah, tu courais tout droit. Ça marche, Zioxy. Il faut vraiment le ramener au groupe. Parce que sinon, en vitesse, on se neutralise, en fait. Parce qu'il court quasiment à notre vitesse. Hein. Mais à mon avis, il devait être mal. Hein. Ouais, il s'est retrouvé tout seul. C'est quoi? C'est les Uchennes là qui sont en bas? Ouais, c'est eux. Ils ont tué un truc. Y'a personne qui joue ce soir ou pas? On est que tous les trois. Fais la TP. T'as fait la TP ou pas? Sauf qu'ils t'ont attaqué après. Ouais, c'est pas grave, ça va faire comme le coup de... Ça est arrivé à qui? Bah tiens, il y en a un derrière nous qui vient d'arriver, c'est toi? C'est toi ça? Merde. Mais... Ah, il y en a un autre. Il y en a un autre juste à côté. Help me. Qu'est-ce qu'il y a, Pikachu? Je suis là pas pour longtemps. Merde, j'avais pas vu tes messages. On était tellement dans le feu de l'action. J'ai trois trucs qui m'attaquent. Le problème, c'est qu'est-ce que t'es comme dino? Je suis accro et trop lent. Ah, t'es un accro. Ah, on peut pas t'aider, hein. À mon avis, il est ici, Grande Plaine. Ah oui oui oui. Oh bah c'est les Conkas. Cours pas, cours pas, cours pas. Ouais mais il est pas grand en plus, il est pas grand. Cours pas, cours pas, cours pas. Ils sont trop rapides. Ils sont beaucoup trop rapides les Conkas. Attention au Dilophosaure derrière nous. Hein. Il est peut-être. Il a l'air jeune, alors je suis pas sûr qu'il a le stomp. Sinon là il met un stomp bien évidemment qui peut leur faire très mal. Mais il faut pas qu'il court.
Ils vont faire que l'attaque sautée en plus. On le cherche. Bon, t'avances dans Planet Zoo. Alors, j'ai pas fini l'émission de toutes les carrières. Tu les as finies, toi? Ah putain, il faut que je les fasse. Pas facile sur console, je trouve qu'il y a des trucs qui sont, quand ils expliquent pas, j'ai du mal à trouver. Ah mais toi t'es habitué, non? Mais en vrai, il faudrait que je refasse aussi là un soir Planet Zoo en live et aussi de Dragon Dogma 2, quoi. J'ai pas acheté ces deux jeux-là pour pas y jouer. On va aller jeune bosquet, on va voir s'il n'y a pas des petits trucs à tuer. À quoi? T'as vu ce que c'était? C'est quoi ça que t'as vu devant? Attends, j'ai perdu de vue, moi. Ah puis alors là, s'il est caché dans un buisson, il sait clairement qu'on le cherche. Ouais. Écoute, je sais pas où il est. Ah, Pikachu est sorti vivant. GG Pikachu. Ah, mais c'est pas ça qu'on a vu, non? Moi bon, j'ai faim, hein. On va le tuer, hein. C'est un accro. Putain, vite, 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 il va dans les feuillages. Bah, ça se trouve, il est pas loin d'être adulte, hein. Ah bah, le Serra, c'est pas grand, hein. Par contre, plus rapide que nous, ce con.
Ah, fais chier. Non, 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 il faut le suivre. Bah oui. Ah oui, ils sont clairement adultes les deux. Attention, on est toujours en chasse, hein. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Il y en a un qui est pas bien. Ouais. Bien joué. Il m'a pas eu. Ouah, call, 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 call. Hop. Oh, les abattards, ils m'ont pris en sandwich, non? Non, ils m'ont niqué. Ils m'ont niqué mon call. Il y en a un qui est quasiment mort, hein. T'as vu Daenerys? Je l'ai eu. Allez-y, allez. Bien joué. Tu vois, quand je te dis qu'il faut pas abandonner. Qu'est-ce qu'il y a? Ah bah oui. Ah bah. Oui, les Adzego, c'est ce qu'ils font. Ouais. Ils chopent, ils s'envolent, ils lâchent et ils tuent comme ça en les faisant tomber. Et tiens, il y a Pikachu là-bas. Regardez, on voit son accro passer. Et tu vois là le Serra là. Et ben en vrai normalement il aurait peut-être pas dû aller chercher son pote pour qu'il l'aide. Parce qu'il était très loin son pote. Mais bon c'est pas grave, de toute façon on a gagné. Ouais. Ben, c'est surtout que j'ai faim en plus. Je vais m'allonger pour récupérer un max. Oh putain, au moment où je m'allonge, elle y est plus. On a un gros terri là-bas. Ouh là, il y a un Rex qui arrive en courant. Oh putain, Pikachu, c'est pour toi. Pikachu, c'est pour toi. Pikachu, je reste pas sur eux. T'es mort, hein. Ah, Pikachu, casse-toi, cours, t'as plus de stam qu'eux. Et t'as eu de la chance parce que je pense qu'il voulait te briser les os et t'as loupé. Il y en a un qui a mis son crunch, il a mis son bonus, hein. Ne t'arrête pas.
T'arrêtes pas, sinon t'es mort. Ils ont abandonné. Oui, bah oui, forcément. On fait le mape. Le mape, on peut tuer vite. Allez, venez, on fait le mape. Allez, on y va. Il fait ça. Oh, regardez le saignement que j'ai pris. Oh putain, le Nasuto jaune, j'ai pas vu. Et c'est pas une dead le Nasuto comme ça? Ouais, à vous. Il charge ses griffes. Enfin, moi je me les prends plus, hein. Qui se heal? Bien joué. Ouais, le Serac qu'on a acquis, on a tué son pote qui nous regardait. C'est trop faible le Mape. Ah ouais, c'est hyper fragile. Par contre, c'est vrai que son saignement fait très mal. Oui, normal, bah normal, hein. De toute façon, les mapes ils jouent comme ça. Écoutez, on est imprenable dans l'équipe. Qu'est-ce qu'il y a, Daenerys? Bah, je pense. Après, s'il est aromatisé banane, j'aimerais bien goûter, moi. Ouais, tout blanc, ouais. S'il est goût banane, j'aimerais bien. Banane split. Yo, Pikachu? Ah, il est là. Moi, je dis banane, chantilly, chocolat chaud. Ah bah le chocolat, c'est pas mauvais, hein. Un bon coulis de chocolat chaud là. Bah alors pour moi, chocolat chaud. Et toi, tu mets ce que tu veux. Voilà, regarde, il nous appelle. Mangez-moi, il dit. Bon, lui, par contre, ce qui est dangereux, c'est son brisage d'os où il peut. Waouh! Ouais, bah, les Carnots, on sait que c'est dangereux face à nous. Hein. Ouah, t'as les Rex juste derrière, Pikachu. Hein. Non? Non, non, ah oui, Zushen. Pachi.
Ah putain. Bon, le déménagement de ce week-end m'a flingué. J'ai pas eu de repos là. Bah voilà. Vous avez soif? Allez, allô. Ouais, ça fait que descendre avec lui. Mais bon, au moins il y a l'action, quoi. Et moi, il va falloir que j'aille boire dans la vraie vie aussi parce que je crève de soif. Oh des dilos, c'est des dilos. Non. On fait la taille d'un dilo, hein. Non. Je me dis que de toute façon, quand ils arriveront, on va les voir arriver parce que là, ils ont pied. Hop. Sauter. On peut aller à Jeune Bosquet voir vraiment ce qui s'y passe, vu qu'à la base tout à l'heure on descendait, mais. Je vois pas. C'est quoi ça comme dino? C'est un carnot ça. C'est pas un adulte ça, non? Et le Nazuto, il nous suit, hein. C'est pas une dead, ça? Non, mais. C'est pas un de mes viewers, c'est pas une dead, le Nazuto qui nous suit, je sais pas, j'ai l'impression qu'il est derrière nous, là. Bah, Pikachu, il est en accro. Te dis, c'est peut-être un de mes viewers. Mais je suis pas sûr que c'est Undead son nom. Non, c'est pas S. S, je sais plus quoi son pseudo. SO.
Non plus. Je sais pas. Et un Daenerys. Il avait une couleur Pikachu en plus, Undead. Je sais pas, il nous suit. Si vous entendez du bruit, c'est mon chien qui ronfle. Hein. Pikachu, il a dit, vous voulez que je le tue? Bah après, Pikachu, si tu veux l'attaquer, attaque-le. Hein. Tu attaques qui tu veux. Hein. Vas-y. Hein. Bon bah il fait des rêves, mon chien. Oui, écoute. Écoute. Attendez, c'est au moment où je m'approche, il s'arrête. Il me fait rire. Faut pas le réveiller le chien quand il fait ça, il est en plein rêve, ça sert à rien, c'est pas. Il n'y a rien de dangereux. Et il doit être. Il doit. Oui, en plus. Je sais même pas où vous êtes donc. Où lui est. Ah, on est en train de descendre à Jeune Bosquet. Oui, et puis c'est jamais bon aussi de réveiller quelqu'un en plein rêve, tu vois. Toi, tu sursautes, t'es pas bien, t'as le rythme cardiaque qui part en folie. Il ressemble à quoi? C'est un petit trike. Il est tout jaune. Nausuto, Nasuto. Mais peut-être que c'est un de mes viewers, hein. Je sais pas, hein. Je piste, dit Pikachu. Bon, oh, bah, il est reparti à ronfler, là. Oh là 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 là. Putain, je sais pas. Écoutez, je sais pas si vous l'entendez ronfler. Et en plein rêve. Ah oui, ouais, il le fait, ouais, des fois. Il a les pattes qui s'affolent dans tous les sens. C'est drôle. Et là, il fait rien, là, il aboie, là. Et ça se trouve, il vit son meilleur rêve, là. Ça se trouve, il est dans un jardin. Et il est en train d'aboyer sur le facteur, en fait. C'est son meilleur rêve. Pour lui, c'est un putain de rêve. Dans un grand jardin et il aboie sur le facteur et il court dans l'herbe. Il mange enfin que je bouffais. Ouais bah c'est un petit chien, il va pas bouffer grand monde. Hein. Oui c'est son rêve. On rêve qu'il est plus grand, plus fort. Il me fait rire, pépère. Ah. Giga. Ah, Pikachu voit le dino au loin. Il y a un giga, les amis. Bon, allez. Hop, on va laisser faire de dos. Oh, il y a un capro, il y a un capro, il m'attaque. Ouais, ça, c'est moi, ça. Faites-le saigner.
crois avoir vu un truc dans l'eau, faites gaffe. Ah oui, un bébé capro. Il. Voilà. Putain, j'avais pas pied. On est loin. On est très loin. On fait quoi? On s'arrête là, nous? Daenerys, on fait quoi? On s'arrête? Ouais. Bon, on va se déconnecter. Là, je vais aller sur Xbox en off. Je vais réinstaller F1, moi, quand même. Faudrait qu'on se fasse un Grand Prix, un truc, un soir. Hop, une déconnexion. Nous, sur ce, on va se quitter ici. Merci à toutes et à tous. Et je vous dis à la prochaine. Sur ce, ciao tout le monde.